question que ce soit, il dépose cette image. C'est-à-dire cette image est importante. Nous avions expliqué que c'était l'image du trône de Dieu. Amen. L'image du trône de Dieu. Et nous sommes rentrés dans les détails et nous comprenons. Voyez-vous maintenant que pour naître, il nous ramène à la lumière. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la lumière. Jésus, quand il dit « Moi et mon Père », c'est-à-dire que moi, la lumière, et mon Père, le soleil. Or, le soleil, nous avons dit que c'est un vase qui porte la lumière. C'est dit que moi, la lumière, mais le soleil, c'est la lumière. Vous comprenez? Alors, si vous faites la différence entre le Père, moi, et le Père, vous mourrez. Là, vous lisez en français. Il est en train tout simplement de dire que vous devez me recevoir, moi, la lumière, pour que le processus se déclenche. Nous pouvons aussi expliquer ça autrement. La lune et les étoiles sont dans, ils apparaissent la nuit, quand le soleil n'est pas là. C'est-à-dire, pendant la journée, quand le soleil brille, Dieu dit, personne ne peut me regarder vivre. Mais pendant la lune et les étoiles, on le regarde, on contemple la lumière. Et cette lumière-là produit même des effets sur la terre. Les agriculteurs connaissent ça. Il y a des marées qui montent. Il y a... Dans l'agriculture, ils aiment la lune parce que ça fait pousser bien les récoltes. C'est-à-dire, quand j'ai brillé, que personne ne pouvait me regarder, c'est la noire. Parce que personne ne peut vivre la loi. Même si tu l'appliques. Nous avions dit l'autre jour que dans ces pays où nous vivons, le blanc, tu peux faire tomber 500 euros. Monsieur, monsieur, vous avez laissé tomber de l'argent. C'est-à-dire, naturellement, il est bon de cœur. Vous voyez ça? Il applique la loi. Est-ce qu'il est pour autant sauvé? C'est ça la question. Parce que pour être sauvé, il faut exister. Vous comprenez ça? Ça, c'est très important. Maintenant, donc pendant la loi ne sauve pas. La loi vient plutôt te dire que de toi-même, tu ne peux pas te sauver. Tu peux l'appliquer, tu peux... Correct. Mais au bout des comptes, tu n'existes pas. C'est ça le problème. Tu n'existais pas. Maintenant, quand maintenant le soleil change de costume, on peut les contempler et regarder. Ça, c'est ce que Jésus dit que moi. C'est-à-dire, ça représente maintenant la grâce. Le Fils qui nous a ramené la grâce. Il dit maintenant, moi, la grâce, et mon Père, la loi. La grâce et la loi, nous viendrons habiter en toi. Quand nous venons habiter en toi, tu existes, tu deviens enceinte. Vous voyez cette femme-là? C'est-à-dire le soleil, la grâce, les étoiles et le soleil. Hein? C'est-à-dire le soleil, la loi, et les étoiles, ainsi que la lune, la grâce. Cette forme-là était enveloppée de la Bible, de la parole. C'est-à-dire la parole révélée. Parce que la grâce, c'est la révélation. La parole révélée. Ça, c'est important. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler comme l'autre fois. Hein? Parce que l'enseignement a commencé il y a longtemps, comme je vous l'avais dit. Le dimanche passé, j'avais expliqué que pour qu'une femme devienne enceinte, il faut qu'il y ait la sémence. Quand la sémence vient et qu'elle est en période fertile, elle va retenir la sémence. Quand elle retire la sémence, la médecine appelle ça l'œuf fécondé. Quand la fécondation s'est faite, la vie commence. La vie commence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que cette femme-là soit en période fertile et que la sémence vienne. Neuf mois après, nous allons voir alors l'eau, les sangs,
et les souffles de vie. En trois étapes, comme nous avons dit. Amen. Ça, c'est la naissance sur la terre naturelle. Mais ça, c'est l'ombre. C'est-à-dire, Dieu a fait ça pour nous montrer des choses, la réalité. Regardez. Vous voyez, il y a mon ombre sur le mur. Pour que l'ombre apparaisse, il faut qu'il y ait la lumière. Si on éteint cette lumière, vous n'allez pas voir l'ombre. Donc la lumière vient montrer la réalité et montrer l'ombre. C'est pourquoi il dit que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, pour que tu possèdes la vérité, il faut que la lumière s'allume. Quand la lumière s'allume, tu vas voir un témoin et deux témoins. Amen. Vous comprenez ça? Nous, nous sommes le peuple de la lumière. J'avais dit l'autre jour que nous sommes des esprits. C'est-à-dire, nous voyons la réalité, nous voyons l'ombre. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui venons vous expliquer les choses, non. Nous venons vous montrer la réalité et l'ombre. Quitte à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Maintenant, la vérité et l'ombre, c'est ça, la sémence. Vous voyez ça? La sémence, ce n'est pas la sémence de l'apôtre Dylan. Non. La sémence, c'est la réalité et l'ombre. C'est-à-dire, Dieu doit vous parler deux ou trois fois. Si quelqu'un vient te dire que ceci est une vérité biblique, tu attends. Tu attends. Nous allons voir ça. C'est-à-dire, il ne faut pas accepter qu'une chose. Non. Dieu lui-même dit. C'est pourquoi même dans les tribunaux, nous voyons qu'on cherche que des témoins. Même si ce sont des faux témoins, mais s'ils sont deux, tu seras condamné. C'est une loi de Dieu. C'est pourquoi, de la même manière qu'une naissance spirituelle est dans la chair, nous devons aussi naître spirituellement de la même manière pour qu'il y ait un autre témoin. Vous voyez ça? Donc ça, c'est l'ombre. Nous allons aller voir la réalité. Dans la réalité maintenant, avant de parler de la réalité, j'ai souligné une chose le dimanche passé. Que être enceinte, c'est une bonne chose. Hein? Mais faisons attention alors à la sémence. Parce que au milieu du jardin d'Éden, nous n'avions pas vu seulement un seul arbre, l'arbre de vie. Non, il y avait deux arbres. Dieu appelle l'homme, viens. Tu vois cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal. N'y touche pas. C'est-à-dire, nous sommes en face alors de deux semences. La semence de l'arbre de vie et la semence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai expliqué l'autre jour que le diable, Dieu a témoigné qu'il est le plus risé des animaux dans le jardin. C'est-à-dire, le diable ne peut pas venir te dire, moi je suis le diable. Non. C'est-à-dire, il doit venir déguisé pour te tromper. C'est pourquoi Jésus, l'arbre de vie, il vient par sa sémence. Nous avions dit que c'est la loi et la grâce, c'est la révélation. Il vient par la révélation, donc par la Bible. Mais les diables aussi doivent suivre le même chemin, parce que c'est un imitateur. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il rôde comme un lion. Comme. Mais ce n'est pas un lion. Maintenant, c'est-à-dire qu'il doit faire pareil, faire croire aussi qu'il est lion. La même apparence. Là, cette apparence-là, ce sont les Écritures. Mais lui, maintenant, quand il vient, il apporte que l'ombre. Parce qu'il n'a pas la réalité. C'est la seule différence. Parce qu'effectivement, l'ombre, c'est un lion. Il tue. C'est pourquoi nous avions dit l'autre jour que quand tu lis les Écritures, la première pensée qui te vient, ça tue. Il faut que maintenant, la lumière de la lune vienne pour que tu voies enfin. Parce que là, la première lumière, la lumière du ciel, tu ne vois pas, tu y es ébloui. Comme Paul, Saül, sur le chemin de Damas, il ne voyait plus. Parce qu'il a vu la lumière du premier jour. Maintenant, il envoie maintenant Ananias. Ananias vient l'ouvrir les yeux. Pour que maintenant il voie la lumière de la lune. Vous voyez ça?
C'est-à-dire que quand le livre de Mena vient, tu verras que c'est une semence. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous allez le voir avec l'apparence de la piété, avec habillé en noir, avec un truc blanc ici, avec une grosse Bible, toutes les versions. Je suis l'archibishop. Vous comprenez l'apparence? C'est comme ça que le diable est venu. S'il ne vient pas comme ça, il aura échoué à sa mission. Parce que nous avons dit que c'est un serviteur de Dieu. Sa mission est de ramener les gens en enfer. Ceux qui ne sont pas venus de Dieu. Parce que la semence provient de quelque part. Amen. Amen. Chaque homme sur la terre porte les enfants dans son dos. Ils ne viennent pas du marché ou des magasins. Non. Des reins. Et puis ils les transmettent. Voilà. Et tous ceux qui ne viennent pas des reins de Dieu, ils iront en enfer. Et Dieu a dit, les diables, commandant en chef, voilà. Je te confie une mission. Tu dois ramener ceux qui ne sont pas venus des reins. Hein? Dans l'air en droit. Ça, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi quand l'Écriture dit que il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, nous disons Amen, pour que quiconque... Voilà. Quiconque. C'est ça pour nous. Mais ça, c'est le français, non? Nous lisons les Français. Les Français disent quiconque. C'est-à-dire qu'il y a déjà une différence. Mais les gens, quand ils disent Dieu a tant aimé le monde, ils s'arrêtent là. Donc, comme il a tant aimé le monde, il doit sauver tout le monde. Non. Vous voyez ça? Les Écritures les tuent. Voilà. Il faut que nous leur expliquons, alors, comme nous avons expliqué les mercredis, que Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le parvis. Parce qu'il est le soleil. Le soleil sort pour éclairer tout le monde. Il a maintenant envoyé le Fils. C'est-à-dire, il change de costume. Le Fils nous a ramené l'eau et le sang. Et ceux qui croient au Fils, ils obtiennent la vie éternelle. C'est là où nous avions parlé des trois étapes que Moïse avait fait.